commencé durant la présidence d'Angela Merkel lorsqu'elle dirigeait l'Union européenne pour le premier semestre 2007. Et tous ces éléments rentrent dans cette volonté de créer ce fameux bloc euro-atlantique unifié en théorie pour 2015. Je dis en théorie parce que c'est une super construction qui peut se casser la gueule, ils peuvent réussir. Non. En conclusion, dans ce grand mécano mondialiste, les peuples se trouvent dans un jeu de dupes et n'élisent pas finalement des gens qui sont là pour travailler à leur intérêt, mais non. Plutôt l'inverse. Voyez-vous, il y a une règle d'or, il faudrait que les dirigeants politiques dignes de ce nom arrivent à contrôler tout ce qui est source financière, que tout ce qui est banque, système financier, etc., soit sous le contrôle de l'État, mais en aucun cas indépendant du pouvoir politique. Je pense toujours à un cas, Philippe le Bel, début du XIVe siècle, il était enquiquiné, pour ne pas dire autre chose, avec les Templiers. Les Templiers, c'était une superpuissance militaire, mais économique et financière, qui devenait un État dans l'État. Alors, il y a eu plusieurs raisons pour l'intervention de Philippe le Bel, mais le fait d'avoir cassé ce mouvement, c'était aussi de casser une oligarchie qui allait imposer ses vues. Et le problème, c'est que nous, actuellement, on n'a pas ça. Philippe le Bel pouvait le faire parce que son élection n'était pas due à un appui financier, mais il était fils de roi, et c'était son métier, c'était son boulot de roi, de défendre l'autorité nationale. C'est pourquoi il a pu casser l'oligarchie financière. Et actuellement, en France, en fait, dans tous les États européens et mondiaux, nous n'avons pas de chef d'État indépendant du courant financier. Ce qui fait que ce sont des marionnettes. Donc on circuit fermé, on est coincé. Le jour où on arrivera à casser ce cercle vicieux, là, ça sera pas mal. La partie n'est pas finie, et si nous arrivons à éduquer les gens et à leur donner des informations qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir par les grands organes de presse, nous arriverons peut-être à inverser un jour cette tendance, Pierre. Ah, je l'espère. Le mal gagne des batailles, jamais la victoire totale, jamais la guerre. Donc, je vous remercie. C'est très gentil à vous d'avoir répondu à notre invitation, et donc nous aurons l'occasion de vous revoir très bientôt pour la sortie de votre prochain ouvrage, dont le titre est... Bertelsmann, un empire des médias. Le titre, j'ai un peu encore hésité, mais Bertelsmann, une entreprise et une fondation au service du mondialisme. Voilà, tout un programme. Merci Pierre Hilard, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le reproche que je fais, la preuve, parce que nos adversaires, dans les flous d'informations style SciGuys ou HDOM, voilà. Il y a des choses tout à fait justes, mais il y a aussi des choses farfelues. Et en face, ils sont ravis de dire, regardez la connerie qui a été dite, donc tout ce qui est dit est faux. Ouais. Donc il vaut mieux dire un tiers, un quart, mais au moins ça c'est du sûr, que de vouloir tout dire et puis arrêter ce... Bon.